Seigneur vous bénisse. Nous sommes contents de nous retrouver avec notre bien-aimée, sœur Myriam Mbutu, de Brahmi TV, qui nous a accordé cette possibilité, cette grâce, la voix, afin que nous puissions répondre à certaines préoccupations des enfants de Dieu. Et nous saluons notre sœur Sango, notre sœur Mbutu Myriam Sango. Nous saluons cette chaîne. Nous croyons que cette chaîne, nous bénissons cette chaîne, qu'elle puisse aller de l'avant et qu'elle devienne une radio au milieu du village, sans couleur, d'appartenance religieuse quelconque, mais où les enfants de Dieu, disons, ça peut devenir l'antenne du troisième exode par rapport aux informations qui seront vraiment utiles pour l'avancement du royaume. Merci beaucoup, sœur Myriam, pour cette occasion. Nous bénissons tous les enfants de Dieu et nous croyons que nous serons à mesure de satisfaire à ces préoccupations, surtout vu qu'il y a 4 questions pour à peine 1 heure du temps. Donc ça ne sera pas vraiment facile d'aller loin, mais on va aller vite, très vite, en besogne, dans les sujets. Les questions sont les suivantes. La première, quelles sont les caractéristiques d'un esprit mauvais sur le plan de la religion? Premièrement, le mot caractéristique désigne, c'est un adjectif qui permet de distinguer, de reconnaître des choses. C'est un ensemble de dispositions affectives constantes, quelque chose qui est permanent, qui se répète d'une manière continue dans la vie de quelqu'un. Quand vous prenez un ensemble de comportements, d'attitudes, d'actions et de réactions dans une personne d'une manière permanente, là on parle de caractère ou encore caractéristique, car ça a la même origine. Et souvenez-vous, c'est constant, ça doit être constant, répétitif, la manière que la personne réagit et ainsi de suite. Et cela donne carrément la personnalité. Alors, la sœur a demandé, ou l'auditoire, nos amis demandent, comment, quelles sont les caractéristiques d'un esprit mauvais sur le plan de la religion? D'abord, nous savons que pour qu'un esprit puisse produire un caractère, il doit entrer dans un homme, parce qu'un esprit est inerte. Donc, sans lui-même, l'esprit ne peut rien faire. Pour qu'il soit bon ou mauvais, il doit d'abord se faire chair. Vous savez, William Branham dit dans l'harmonie de l'unité et dans beaucoup d'autres écritures. Pour gagner du temps, on passe. Alors, je peux résumer en 3 phases les éléments pouvant nous permettre de désigner un mauvais esprit religieux dans un homme, un démon. D'abord, l'incrédulité. Le premier signe qu'un mauvais esprit démoniaque qui ronge l'âme de quelqu'un manifestera comme caractère dans une personne, c'est son état d'incrédulité, mais étant croyant. C'est pourquoi vous vous rappelez, William Branham a parlé de 3 sortes de croyants. Un croyant, mais qui est incrédule. Cela veut dire une personne qui se contente de prendre dans la parole ce qui lui plaît et de rejeter ce qui ne lui plaît pas. Cet état d'âme, c'est un démon dans l'âme, un mauvais esprit religieux. Le soi-disant croyant, il croit à un niveau, à un moment donné, il fait semblant, mais il peut vendre sa foi, l'âme, la parole, contre l'argent ou contre la gloire, etc.
Et puis vous avez le dernier, c'est le fait qu'un homme prend la parole mais sa vie est contraire à cette parole qu'il croit. Il croit toute la parole. Il croit le message de son temps vrai, vrai. Mais sa vie, son attitude, son comportement et la parole qu'il prétend croire, c'est opposé. Ça, c'est encore une manifestation d'un esprit religieux, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qu'en fait la force, disait Paul. Donc sa vie contredit la parole d'une manière permanente. Mais il est dans le monde de croyants, il est religieux, parce que le démon religieux, c'est religieux, hein, comme on le dit là. Il va à l'église, comme Caïn, il fait tout bien, un bon membre. Mais l'âme est totalement malade et il vit dans l'opposé de ce qu'il prétend croire. Prenons le sermon démonologie domaine physique. Prêché à Cornesville, lundi le 8 juin 53 après-midi, paragraphe 17. Eh bien, il y a des démons qui entrent dans l'âme de l'homme, et c'est selon la phraséologie, ce serait, mais je dirais, si les démons qui entrent dans l'âme, c'est quelque chose qui tourmente l'âme. Démonologie, prêché à Owensboro, jeudi le 12 janvier et le 12 novembre 53. Paragraphe 14. Eh bien, environ 3 mois avant cela, je vous ai dit qu'un soir, je prêcherai sur la démonologie. Et j'aimerais, durant ces quelques prochaines minutes, prêcher sur la démonologie. Les prochaines. J'écris un livre là-dessus, je saute. Mes amis, ils sont tout aussi réels que vous l'êtes. Et je le vois bien des fois. Lorsqu'ils sortent carrément, je les ai vus quitter juste cette strate, je le vois. Certains d'entre eux, sous la forme des chauves-souris, ils ont comme des longs poils qui pendent sur leurs pattes. Mais un démon d'épilepsie ressemble à une tortue ayant une patte ronde suspendue en l'air comme cela. Mais bien souvent, un démon d'oppression ressemble à un nuage. Les démons d'oppression ressemblent à un nuage. C'est comme une vague. Et il produit un son vraiment bizarre lorsque vous êtes dans cette autre dimension pour voir les esprits. Eh bien, vous pouvez penser que c'est faux, mais un de ces jours, vous allez vous en rendre compte. Si seulement vous pouviez prendre un miroir spirituel et regardez dans votre âme, vous qui doutez, vous verriez à quoi cela ressemble. Et le plus grand démon, le chef de tous les démons, c'est l'incrédulité. Le premier grand démon religieux, c'est l'incrédulité. C'est le seul péché qui existe. Il n'existe pas d'autre péché à part l'incrédulité. Toutes ces petites choses en rapport avec la moralité et tout, fumer, prendre de l'alcool, jouer au jeu d'argent, commettre adultère, ce sont simplement des attributs. Vous faites cela parce que vous ne croyez pas. Le fait d'être incrédule, c'est ce qui vous amène à faire cela. Si vous étiez un incroyant, vous ne le feriez pas. C'est vrai. Maintenant, paragraphe 15, c'est comme lorsque je pense aux dons de l'esprit. Les dons de l'esprit, ce ne sont pas... ce n'est pas ça le Saint-Esprit, ce sont les attributs du Saint-Esprit, guérison, parler en langue, etc. Je crois que vous retenez, le premier grand attribut du démon religieux, c'est l'incrédulité, dire non à ce que Dieu dit. Mais toutefois, étant dans le monde de croyants, il est religieux, il va à l'église, il porte, il a la Bible, il a les brochures, voire même il prêche. Mais il est incrédule. Incrédule pourquoi? Parce qu'il ne vivra pas cette parole qu'il prétend croire. Voilà pourquoi Frère Branham dit, fumer, boire, tout ça, ce n'est pas le péché. Et les gens disent, vous voyez,
Tout ça, ce n'est pas le péché. Donc, comme moi, je crois la parole faite chair, moi, je ne suis pas un pécheur. Ce sont les deuxièmes exodes, ce sont les dénominations qui sont les pécheurs. Non, 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 non. Si tu es croyant de la parole faite chair, tu dois vivre toute cette parole de la parole faite chair. La rendre manifeste dans ton être, dans ta vie, proprement dite. Voilà pourquoi il dit, quand vous fumez, vous faites toutes ces histoires-là, que cette même parole-là refuse, vous ne la croyez pas. Vous voyez. L'œil de Dieu. Prêché mardi le 25 février 58 à Château, Chattanooga, paragraphe 25. Soyez vraiment respectueux, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'incrédulité est l'une des choses les plus horribles qui existent. Laissez-moi devenir n'importe quoi, mais ne me laissez pas devenir un incroyant religieux. Incroyant des religieux. L'incrédulité est l'unique péché qui existe. Fumer la cigarette, boire, commettre adultère, maudire, jurer, c'est pas là le péché. Ce sont des attributs de l'incrédulité. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Et au sujet des gens qui affirment qu'ils sont religieux, qui vont à l'église, qui sont pieux, et qui sont cependant de vrais incroyants, des pécheurs. Donc, vous avez des gens qui affirment être religieux. Ils vont à l'église, ils sont pieux. Ici même, la personne ne fume pas, ne boit pas, ne commet pas des actes que la parole condamne. Mais il est pieux, mais il est en effet un incrédule. Et qui sont cependant des vrais incroyants, des pécheurs. Jésus a dit, vous êtes de votre père le diable. Et pourtant, ils étaient tout aussi pieux et religieux que possible. Le pire démon avec lequel on a traité, c'est le démon religieux. Il est 5 fois plus horrible que n'importe quel autre mauvais esprit. Ici, quand Jésus dit à ces pharisiens qu'ils avaient pour père le diable, ils avaient de bons actes, ils étaient blancs dehors, mais à l'air intérieur pourri, parce qu'ils ne croyaient pas la parole révélée de leur temps. Vous avez aujourd'hui des gens qui ont une bonne moralité dans le monde. Du moment où ils ne reconnaissent pas Christ fait chair aujourd'hui, ce sont des démons religieux, des esprits séducteurs. Ceux qui croient à la parole faite chair aujourd'hui, mais qui manifestent les attributs de l'incrédulité, ils ne croient pas, ils ont juste l'apparence de croyants, de la parole faite chair. Voilà un peu les nuances qu'il faut faire sur ces choses. Prenez Dieu identifié par ses caractéristiques. Prêché à Denham Spring. Le 20 mars 64, paragraphe 9. Voyez, il pourrait, prenez votre main et lever là, donc, voyez, si vous ne faites pas attention, l'une d'elles ressemble à l'autre en tout point. Mais l'une, c'est la main gauche et l'autre, c'est la main droite. C'est comme cela que sont les esprits dans les derniers jours. Ils sont quelque peu identiques, mais ils ont une caractéristique qui les identifie. L'un est vrai, l'autre est faux. Et il peut être identifié par ses caractéristiques. Les esprits dans les derniers jours sont identiques. Mais il ne faut pas les caractéristiques les différencier. L'esprit de Dieu peut être identifié par sa caractéristique. Vous voyez, l'esprit de Dieu est l'esprit de l'Église. Il existe l'esprit de l'Église et l'esprit de Dieu, qui est totalement différent de l'esprit de l'Église sur toute la ligne. Il existe un esprit dénominationnel. Il existe un esprit national. Il existe un esprit de la nation. Chaque nation a son esprit. Alors, comment différencier l'esprit de Dieu et l'esprit de l'Église dénominationnelle? Les esprits séducteurs, paragraphe 39. Prêché dimanche le 24 juillet 55. Maintenant, ce matin, nous allons parler des démons sous une forme spirituelle dans l'âme. Ils sont dans l'âme, tout comme ils sont dans le corps. Et nous sommes bien obligés d'admettre que nous voyons qu'ils sont dans le corps des gens sous forme de cancer et de différentes maladies qu'il y a dans le corps humain. Tout dernièrement, on a même déclaré que le cancer est une maladie de la quatrième dimension. Ça se trouve dans une autre dimension. Il s'agit de démonologie. Toute maladie est de quatrième dimension. 41. Un cancer dans le corps, un cancer dans l'âme. Les démons peuvent pénétrer dans les deux endroits. Eh bien, il arrive souvent à bien des gens d'avoir de bonnes pensées comme quoi, et de braves gens,
qui essayent souvent de se reposer sur une petite théologie quelconque qu'ils ont, ou sur quelque chose qui leur a été enseigné dès leur enfance, et ils constatent malgré tout ça qu'au fond de leur être, qu'au fond de leur âme, il y a encore quelque chose qui n'est pas en ordre. Vous, il y en a beaucoup ici ce matin, sans doute, que partout où vous, où on trouve des chrétiens rassemblés, on trouve des gens qui ont des esprits en eux. C'est quelque chose d'indésirable. Ils n'en veulent pas. Ils disent, oh, si seulement je pouvais arrêter de mentir, si seulement je pouvais arrêter de convoiter, si seulement je pouvais arrêter ceci ou cela, eh bien, ce sont des démons. Et bon, ils se présentent sous forme de la religion souvent. Vu que c'est l'école du dimanche, c'est un temps d'enseignement, alors examinons ceci. Donc vous voyez que les caractéristiques des démons religieux dans les êtres humains, vous trouverez des gens qui ont le désir d'être bons, qui espèrent, qui cherchent même à cesser de mentir, de convoiter, d'être immoral, d'être bizarre. Mais qu'ils cherchent à aimer et à adorer Dieu bien, mais ils n'y arrivent pas. Parce que dans leur fond intérieur, il y a quelque chose qui n'est pas en ordre. Quand tu vois un frère, une soeur, un pasteur, un ministre, un diacre, un adé, qui essaye tout le temps de faire d'être à la hauteur de ce que la parole lui demande d'être, mais qui n'y arrive pas, il a les démons dans son âme. C'est un homme ou une femme, un pasteur, un apôtre, un docteur religieux. Il a juste la religion, il a le concept, il a la croyance, mais la vie de l'intérieur de l'âme n'y a pas. C'est un démon religieux. Voilà les caractéristiques d'un démon religieux. Soit il ne croit pas la parole révélée de l'air, il se fie à des choses du passé, et il a la piété, comme les pharisiens, mais il ne voit pas la parole du jour, soit il voit la parole du jour, mais à l'intérieur de lui, sa vie n'est pas en ordre, et il manifeste toutes les œuvres de la chair interdites par la parole de Dieu, et souvent accompagnées de demandes même de repentance sincère. Vous voyez? Et dans les deux cas, vous avez un démon religieux, ayant l'apparence de la piété, mais rien, c'est qu'en fait la force. Prenez le sermon démonologique pour terminer par là, la première question. 19 juin, toujours 53 après-midi. 53 dit, mais ce qui m'a intrigué, nous parlons de démons, c'est là qui m'a intrigué. J'observais des hommes, l'un était assis de l'autre, d'un côté et l'autre de l'autre côté. Et quand l'esprit descendait, ces deux hommes s'élevaient, ils parlaient en langue, ils poussaient des cris. Ils avaient des cris m'enlèvent. Et je me disais, oh là là, si seulement je pouvais avoir ça, vous voyez. Comme se merveiller, j'aime vraiment ça. Eh bien, je suis allé dans le champ des maïs, je vous ai raconté l'histoire de ma vie, vous l'avez lu dans les livres, j'y ai dormi toute la nuit, le lendemain matin, j'y suis retourné. Alors je me suis dit que j'allais faire un test, j'ai une façon de faire des choses dont personne n'est au courant, seulement Dieu et moi. C'est donc, je prononce un oracle, je vois quel esprit est dans l'homme, vous voyez. Le voyez ici même sur l'estrade. Vous le voyez quand même, ok. Alors je me suis mis à parler à l'un de ces hommes. Je les avais vus, ils étaient assis l'un près de l'autre. Ils se prenaient par la main, ils dansaient, ils poussaient des cris. Je me disais, oh là là, ça me semble réel. Et j'ai pris l'une de ces mains, j'ai dit, bonjour monsieur. Il a dit, bonjour, un homme très bien, un type gentiment. Il a dit, j'ai dit, êtes-vous ministre? Il a dit, non monsieur, je suis qu'un laïc. Alors j'ai engagé une petite conversation avec lui pour capter son esprit. Vous voyez, il ne le savait pas. Personne ne le savait, je n'en ai jamais parlé. Il s'est passé des années avant que j'en parle. Mais quand j'ai vu ce qu'il en était, ça sonnait juste parfaitement. C'était un chrétien. Cet homme était un saint de Dieu. Absolument. J'ai pensé, frère, c'est très bien. Mais ce qui est bizarre, quand j'ai trouvé l'autre homme, c'était le contraire. Il vivait même avec une femme qui n'était pas sa femme.
C'est exact. Et je vis ça s'approcher de lui, une vision, et je me suis dit, oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible. Et cet homme, je me suis dit, eh bien, alors ces esprits, cet esprit qui est parmi ces gens, il est mauvais. Un point, c'est tout. Regarde la réaction de Milan Brenham. Il les a bien admirés, mais dès qu'il découvre que les deux fonctionnaient dans la même logique de l'esprit, du coup, l'un mène une vie incorrecte tranquillement. Il dit, l'esprit qui est sur lui est faux. Mais voici la suite. Alors ce soir-là, je suis allé à la réunion et les bénédictions descendaient. J'ai prié Dieu et le Saint-Esprit, l'ange du Seigneur, attestant, là sur le paragraphe 58, qu'il s'agissait du bien du Saint-Esprit. Dieu lui a dit, ce n'est pas un mauvais esprit sur les deux. Le Saint-Esprit vrai, vrai. Le même esprit qui descendait sur cet homme ici descendait sur cet homme-là. Et quand l'esprit descendait, ils s'élevaient tous les deux, et tous les deux poussaient des cris, hurlaient et jouaient, et louaient le Seigneur plutôt, parlaient en langue, dansaient. Je disais, mais vraiment, ça, ils ne voyaient pas ça dans la Bible. Comment est-ce que pourrait être juste? Parce que moi, il dit, je suis strictement fondamentaliste pour ce qui est de la Bible. Il faut que ça soit correct. Soit un, et le Seigneur est descendu dans sa miséricorde, il m'a montré, il m'a donné les livres des Hébreux. La pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Donc, pour faire comprendre que non, ne t'en fais pas, c'est comme ça. C'est le vrai Saint-Esprit comme la pluie, mais ça tombe sur les justes et sur les injustes. Celui qui est bon, ça entre dans son âme. Celui qui est faux, ça s'arrête sur sa chair ou sur son esprit. Il peut avoir des vibrations de la chair, des sensations. Il peut par l'esprit voir des visions, songes, parler en langue, prophétiser. Mais enseigner, grand homme, tout ça, mais son âme est pourrie. Et la preuve, il peut vivre avec la femme de quelqu'un tranquillement, ou bien une autre femme dans la tricherie, tranquillement, sans se gêner. Mais il reçoit les bénédictions de l'esprit. Ça, ce sont les manifestations des démons religieux dans l'âme. L'âme termine avec, nous voudrions voir Jésus de New York. J'ai dit le 1er mai 58, paragraphe 26. Il y en avait qui se tenaient à côté de lui, qui ne croyaient pas cela, des religieux, des fervents religieux, la crème de la moisson, pour ainsi dire, comme nous le dirions dans les cides, c'était des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, des évangélistes, des orthodoxes. Ils ont dit, cet homme a un mauvais esprit, cet homme doit être un diseur de bonne aventure. Là, c'est un autre groupe de gens. Ils disent, ils traitent le Fils de l'homme, Dieu, dans la chair humaine, en ce temps-là, à l'Est, Jésus-Christ, qu'il est démoniaque, ou un simple homme, ou un simple prophète, alors qu'il est la parole faite chair. Mais apparemment, parfois même, ils ont une bonne moralité, ils ont de bons actes, ils font des bienséances, ils peuvent même donner des dons aux gens, être généreux, mais ils ne voient pas la parole faite chair. Et du coup, ce sont des démons religieux. Les autres croient la parole faite chair du jour, croient la parole de Dieu, mais leur vie ne s'aligne pas avec cette parole-là. Ils se réjouissent avec les vrais croyants, ils sont côte à côte, regardez les deux comment ils se tenaient la main, mais l'un est bon, l'autre est faux, au point même que, et la preuve, ou même un exemple parmi d'autres pour prouver ce qu'il est faux, William Branham dit, il vivait avec la femme de quelqu'un, et une autre femme alors qu'il est marié. Et imaginez-vous si quelqu'un mène une vie désordonné comme total, qui contredit la parole, il ne peut être que la manifestation d'un démon religieux. Deuxième question, comment reconnaîtrions-nous un vrai ministre vu qu'il y a beaucoup de faux oints avec un véritable Saint-Esprit? C'est comme une question. D'abord, est-ce que c'est vrai qu'un faux oint avec un véritable Saint-Esprit? Oui, nous venons de lire et nous allons le lire encore. Comment on va reconnaître le vrai ministre? D'abord, il doit avoir un vrai appel divin. C'est la première condition. De deux, il doit être commissionné par Dieu pour un travail. Et il doit, par là, faire une expérience personnelle avec Dieu face à face.
Et quand il va apporter la parole et la commission que Dieu lui a donnée, il travaille pour le Seigneur qui l'a envoyé. Il ne fait pas ça pour sa propre gloire. Ses motifs et ses objectifs sont justes et il mène un combat de principe. Troisième raison, il doit avoir une sainte doctrine scripturaire confirmée dans la Bible, dans les messages de la Genèse à l'Apocalypse. Avec ces trois choses, on peut savoir un vrai et un faux ministre. Notre position à Christ, prêché dimanche le 16 janvier 55, paragraphe 6. Les choses essentielles est de découvrir la place de la parole de Dieu dans notre vie. Dieu fixe les temps et les limites du temps. Et ensuite, tout marche en fonction de ces temps-là. Beaucoup d'entre eux avant la venue du Seigneur Jésus, beaucoup de faux sont apparus déclarant « Voici le Messie » et « Voici » beaucoup de faux sont arrivés selon les Écritures juste avant la venue du Seigneur Jésus. Et les gens essaient de faire cela par eux-mêmes. Ils essaient d'adapter la parole de Dieu à leur programme. Mais vous faites l'inverse. Vous faites l'inverse. Vous devez vous adapter au programme de Dieu. C'est là, nous découvrons que cela est vrai. Maintenant, dans le Moïse, lorsqu'il était ici, savait que Dieu avait fait une promesse selon laquelle il allait libérer les enfants d'Israël. Eh bien, Moïse savait qu'il était appelé dans ce but. Maintenant, lorsque vous avez un appel de Dieu, cela ne veut pas tout à fait dire que vous devez aussitôt bondir dehors et qu'en procédant ainsi, vous accomplissez la volonté de Dieu. Il vous faut trouver la volonté de Dieu et le temps de Dieu pour faire cela. L'appel divin doit être vrai et il doit être fait au temps de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon le programme de Dieu. Le fait d'avoir l'appel ne signifie pas aller du coup aller prêcher, non. Donc, il faut d'abord un appel divin et ça doit être fait au temps de Dieu. Dieu dans son peuple, prêché à Little Rock le 27 février 50. Paragraphe 33. La dispensation du Saint-Esprit est arrivée et a continué et continuera avec les anges au service de l'Église. Certainement. Mais ce sont des esprits ordonnés de Dieu, envoyés de Dieu pour accomplir des événements. Tous les hommes qui ont eu un appel spécial là, tout au travers des âges, les anges ont visité ces hommes. Non pas une adoration des anges et des forces comme Bilgam, Yang et ainsi de suite. Mais un ange de Dieu attestera la vérité de Dieu, c'est vrai. Et il parlera de Dieu, il n'aura rien de mythique que personne ne comprendra. Il parlera de Jésus-Christ, témoignera de Jésus-Christ, révélation de Jésus-Christ aux gens. Amen, j'aime cela. Donc, ici, le grand Bible nous fait comprendre qu'il faudra une rencontre avec Dieu. Dieu même va t'attester, il va même te donner un ange, il va être avec toi, parce qu'il te commissionne. C'est pourquoi nous avons dit, un appel divin, une commission du travail que tu dois faire. Dieu te détermine le ministère même que tu dois faire. Et là où tu dois le faire. Et dans son temps, programme, volonté bien réglée. Quand tous ces éléments ne sont pas réunis, ça c'est un problème. Et il y en a même d'autres qui n'ont même pas de dons, même pas d'appel. Ils utilisent juste le brochet et le français. Et du coup, on est ministre. Mais là, comment vous allez le reconnaître? Vous allez le reconnaître par leur doctrine, par leur appel qui n'est pas confirmé par Dieu. Parce que Dieu, quand il appelle quelqu'un, il le confirme. Si Dieu ne t'appelle pas, il ne va jamais te confirmer. On pose la question à Frère Branham, Matthieu 24, 24, la question-réponse numéro 1, 64, Seconde 2, volume 2. Il se révéla des faux prophètes, des faux Christs, feront des grands prodiges et des miracles. Frère Branham, comment les reconnaîtrons-nous? Même question. Comment les reconnaîtrons-nous? Il répond, 41, il se réveillera. Maintenant, avec cela, vous passez à un autre âge, voyez-vous, se réveillera de faux Christ, de faux prophètes. Un faux Christ est un faux oint, parce que Christ est un oint, le bon Christ. Combien savent que le Christ signifie loin? Il y aura des faux oints et ils s'appelleront des prophètes. Mais comment les reconnaîtrez-vous? Par la parole. C'est ainsi que vous saurez s'ils sont vrais. C'est par la parole.
comment les reconnaîtrons-nous? Ça sera par la parole. S'ils disent qu'ils ont la parole et qu'ensuite ils nient cette parole, alors cela ne vaut rien. Peu importe ce qu'ils font, ils peuvent guérir les malades, ils peuvent ouvrir les yeux des aveugles, mais s'ils nient la parole, éloignez-vous d'eux. Peu importe ce que c'est, restez néanmoins avec cette parole, voyez-vous? Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai vu des vaudous et toutes sortes de choses arriver sous le couvert de la guérison. Vous voyez? Ce n'est pas la grande salle, les grands temples, les foules de gens, quoi, miracle, prodige, non. Il doit être aligné à la parole, croire la parole. Un vrai ministre, un vrai ministère, c'est un ministre qui ne parle, qui ne prêche que de la parole. Il est fondamentaliste, il est fidèle à la parole. Les uns du temps de la fin, 123. Nos réunions de couture, nos ceci, nos cela, quelqu'un se présente en cherchant à donner une mauvaise interprétation de la parole, en disant que c'est très bien, sœur, si vous avez les cheveux courts, ne faites pas attention à ces crétins-là. Écoutez le terme, hein? Il appelle le prédicateur là crétin. Si un prédicateur vient donner une mauvaise interprétation à la parole, autorisant aux sœurs de couper les cheveux, Granville dit, ne faites pas attention à ces crétins-là, voyez. Ou, si vous portez ça, ce n'est pas ce qui compte. Tu t'habilles mal, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est Branham. Couper les cheveux, mener la vie mondaine, faites comme vous voulez. Ce qui compte, c'est Branham. C'est ça la parole. Frère Branham dit, c'est un crétin. Éloignez-vous de cette personne-là. C'est un faux ministre. Un faux ministre prêchera aux gens la légèreté. Il va leur faire croire, comme dans le christianisme, les saints nous ont purifiés, les saints. Les femmes vont prêcher, les désordres seront là, parce que tout ça ne compte pas pour eux. C'est pour ceux qui, dans un des autres, les autres refusent carrément la parole faite chère. Les autres croient la parole faite chère, mais prêchent la mondanité aux gens, sont légères, donc tout est mélangé comme ça. Il dit, si vous portez ça, ce n'est pas ça qui compte, mais ce qui sort du cœur de l'homme, c'est ce qui le suit. C'est ce que les gens disent, non, ce qui compte, c'est le cœur. Ce n'est pas l'extérieur fait, ce n'est pas l'extérieur sert. Vous rendez-vous compte que vous êtes loin des mauvais esprits. Un pasteur, un docteur, un ministre dans les deuxièmes, troisièmes, peu importe l'étiquette que vous portez, s'il prêche aux gens la légèreté, c'est-à-dire mal expliquer, mal exploiter la sécurité éternelle, en faisant croire aux gens qu'on est sauvé, et comme on est sauvé, peu importe quoi, il n'y a plus rien, tout ça là. Madame dit, il est loin des mauvais esprits, c'est un faux ministre. Il est un mauvais esprit impur. Il dit, ce n'est pas ça qui compte, ce n'est pas ça qui suit tout ça. Vous vous rendez compte que vous êtes un des mauvais esprits impurs et de convoitises. Donc, les autres même convoitent. Un ministre ne doit pas être trop en train de convoiter les femmes des gens ou les filles, tout ça là, parce que ça ne les colle pas. Frère Madame dit, ce n'est pas moi, c'est joli, un esprit impur et de convoitise. Peu importe que vous aurez beau chanter dans la chorale. L'autre même peut être un choriste. Tu chantes bien, oh je suis chante, je suis cela. Si tu fais des convoitises, si tu es un mondain dans une vie déréglée, frère Madame dit, tu as un mauvais esprit impur. Et on doit s'éloigner de toi. On n'a pas besoin d'écouter tes chansons. Vous voyez, il dit, oh, je chante dans la chorale avec vos cheveux courts. N'empêche que vous avez un mauvais esprit. C'est contraire à la parole. Ça, c'est vrai. C'est ce que dit la Bible. Et vous dites, eh bien, moi, je porte des shorts, pas de condamnation. Quiconque, si une femme met un vêtement d'homme, c'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est le Dieu qui ne change pas qui l'a dit. C'est-à-dire, les frères doivent tout faire, les croyants doivent tout faire pour vivre selon les Branham, leur parole qu'ils croient et qu'ils prêchent. C'est comme ça que ça doit être. Parce que c'est lui qui a révisé ces choses-là. Donc vous n'allez pas, Branham, mais Dieu, il est grand, je l'aime, et brochure, citation 1 million dans la tête. Mais
Branham te dit tout simplement qu'il fait ce qu'il ne fait pas. Mais alors ça sert à quoi? Tu es un faux ministre. Les joints du temps de la fin. Prêchez le 25 juillet 65 toujours. Faites 4. Paragraphe. Autrement dit, s'il voulait l'expliquer pour que nous puissions au plus ou moins bien comprendre cela, il dirait, dans les derniers jours, il s'élèvera des faux oints. Or, cela semble presque impossible, vous voyez, ce terme oint. Mais remarquez, le mot qui vient juste après est de faux prophètes. Prophète au pluriel. Maintenant, un oint, c'est quelqu'un qui a un message. Et le seul moyen pour que le message puisse être apporté, c'est par quelqu'un qui est oint. C'est par un prophète oint. Il se révélera des faux enseignants oint. Un prophète enseigne son message. Des enseignants oint. Mais des gens qui sont oint ayant un faux enseignement. Des oints, des Christ au pluriel, des prophètes au pluriel. Et si le Christ au singulier existe, alors cela devrait être des oints. Et c'est leur enseignement sur la prophétie qui fera la différence. Parce que ce sont des oints. Ils sont oints. Verset, vous pouvez peut-être dire, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Est-ce que les oints des Christ oints, des faux prophètes, des oints, mais des faux prophètes? 28, Jésus a dit que la pluie tombe sur les justes et les injustes. Maintenant, quelqu'un pourrait me dire, croyez-vous que cette onction sur ces gens, c'est l'onction du Saint-Esprit? Certainement. Le véritable Saint-Esprit de Dieu sur un homme, et pourtant cet homme est faux. Véritable onction du Saint-Esprit sur les gens. Mais pourtant, cet homme, c'est un faux. Maintenant, écoutez attentivement pour comprendre ce qu'il a dit. Et ils feront des prodiges et des miracles au point que cela se durait, même les élus, si c'était possible. Et ils sont loin du véritable Saint-Esprit. Je sais que ça a l'air vraiment essentiel, mais on va prendre le temps de l'expliquer par la parole, que c'est absolument ainsi, dit le Seigneur, la vérité. Remarquez, la même eau d'onction qui produit le blé produit la mauvaise herbe. Le même Saint-Esprit qui oint l'Église, qui donne aux gens le désir de sauver des âmes, qui leur donne la puissance de faire des miracles, il tombe sur les injustes comme sur les justes. Exactement le même esprit. Eh bien, on ne peut vraiment pas l'expliquer autrement pour comprendre. Matthieu 24, il a dit, c'est le vrai des faux Christ, des faux oints. Oints de la chose véritable, mais ils sont de faux enseignants. Comment on peut mieux expliquer que ça? Vous voyez, mes chers frères, mes chères soeurs, ma chère soeur Myriam, William Branham Adoumé, c'est un vrai, il a la vraie onction. Un enseignant, oint d'une vraie onction. Mais son enseignement étant faux, c'est-à-dire ça ne se concorde pas avec l'ensemble des écritures, William Branham dit, c'est un faux. Prenez que son réponse numéro sur les Hébreux, deuxième partie, 362. Maintenant, voilà une bonne question. Et nous pourrions passer le reste de notre temps uniquement sur cette question, et ce soir et demain soir, etc. Cela pourrait prendre toute la Bible et la relier. Chaque écriture doit s'accorder parfaitement avec les autres écritures de la Bible. Donc l'enseignant doit avoir un enseignement qui se met en ordre avec toutes les écritures, pas qui contredit d'autres écritures. Hébreux chapitre 5 et 6, première partie, 52. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se lèvent en disant, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Dieu soit loué, le Saint-Esprit est venu, c'est lui qui est l'enseignant. Quand vous en arrivez à avoir cette idée-là, vous êtes tout simplement dans l'erreur. Car, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il passé des enseignants dans l'église si c'est lui qui allait être l'enseignant? Voyez-vous, il y a premièrement des apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Saint-Esprit a placé des enseignants dans l'église afin qu'ils puissent enseigner par cet enseignant. Si ce n'est pas conforme à la parole, si Dieu ne le confirme pas, alors ce n'est pas la vraie sorte d'enseignement. Il faut que cela puisse s'accorder avec la Bible entière et être tout aussi vivant aujourd'hui que cela a été autrefois.
Voilà la chose véritable rendue manifeste. Vrai ministère, vrai ministre a une vraie doctrine et lui-même vit sa doctrine. Il mène la vie conforme à ce qu'il croit. William Branham dit, il peut être loin d'un esprit de chercher les âmes perdues. Il prêche, il gagne, je cherche les âmes, je gagne les âmes. Mais un démon, pourquoi? Parce que l'esprit là de chercher les âmes, de prêcher, d'enseigner, d'aimer, voir les gens être sauvés, peut tomber sur un faux et sur un vrai. Mais comment sauriez-vous que l'autre qui cherche, qui gagne les âmes, il baptise à l'est, l'autre baptise à l'ouest ou à gauche, à droite. Comment sauriez-vous que celui-ci est bon, l'autre est mauvais? Prenez la doctrine, vérifiez avec les Écritures. Est-ce que ça s'accorde de la Genèse à l'Apocalypse? Si ce n'est pas le cas, rejetez, c'est un faux, mais avec de bonnes intentions. Si c'est une personne qui mène une vie opposée à ce que le reste de la parole de Dieu dit, c'est un faux. Ne jugez pas un vrai et un faux ministre par rapport à comment il est né, comment étaient ses parents, comment il a été dans le passé. Non, jugez le ministre par rapport à sa doctrine, sa vie au temps présent et comment il interprète les Écritures, ainsi de suite. Troisième question, quelle différence y a-t-il entre un vrai oint de Dieu et un faux oint? Vu qu'ils sont tous semblables, œuvrent ensemble, oui, on vient de le lire, ils œuvrent ensemble, ils sont presque pareils. Mais quelle est la différence? On vient de donner la différence. La différence, c'est d'abord l'enseignement, la parole. Le nez ne le sait pas. 127. Les facultés mentales des hommes, ils ne savent pas prendre des décisions. Je ne suis pas un homme politique, non, pas un démocrate, ni républicain. Ils sont tous corrompus. Je suis pour un royaume. C'est le royaume de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est tout. Mais avez-vous déjà vu une bande de malhonnêtes comme celle qu'on a là maintenant? Cette bande de taxans qui sont là. Ils disent, si le peuple veut ceci, on le donne. Si le peuple veut cela, on le donne. William Branham n'aime pas ça. Ne dites pas ça. Donnez au peuple ce qu'il veut. Non, vous donnez à la vision de la parole. Principe. Oh Dieu, c'est comme à la chair. Où sont les hommes, les vrais hommes? Les hommes, ceux qui défendent un principe. Où sont les femmes qui défendent un principe? Où est l'église qui défend un principe? Je n'ai pas du tout de temps à perdre avec pour un esprit mou, lâche, qui fait des compromis. Les faux font des compromis avec la parole. Le vrai ministre ne fait pas de compromis avec la parole. Il reste fidèle avec la parole. Il vit la parole. Il fait tout pour que son enseignement soit conforme avec les Écritures. Les faux, ils s'en foutent, parce qu'ils cherchent la gloire, et de comparaître et d'apparaître. Ils utilisent la parole comme un moyen pour faire son honneur et sa gloire, et non pour quelqu'un du vin qu'il a envoyé pour la gloire de Dieu. Non. Voilà pourquoi il fait des compromis. Il va donner la légèreté aux gens, mauvaise vie, fausse doctrine, tout ça mélangé. Ce sont les attributs des faux, des démons religieux. Peu importe l'exode, deuxième, première, comme vous voulez, même pour ceux qui croient, même quatrième. Où est l'homme qui prend position pour ce qui est juste? Où est l'homme qui n'a pas peur de parler? Peu importe si le monde entier est contre lui, un homme qui prendra position pour ce qui est juste défendra cela et qui donnera sa vie pour ça. Où trouver encore un Arnold? Oh Dieu! Que je puisse, en tant que prédicateur, défendre le principe d'un seul homme, la parole de Jésus-Christ. Le ciel et la terre passera ainsi de suite. Aujourd'hui, le seul principe, la parole fait chair, il est membre. En son entièreté. Dernière preuve, vous pouvez prendre le discernement de l'esprit. Je lis en sautant parce que le temps est fini. Il me reste à peine 15 minutes pour la dernière question qui n'est pas si facile pour les grands frères et les. Le prophète Joseph. Donc, les discernements, très il dit, il y a des dons, mais si on les utilise mal, ça, c'est plus grave que si on ne les avait pas. Ça, c'est paragraphe 13. Paragraphe 14. Si un homme vient, qu'il a un grand don, peu importe s'il est membre de notre dénomination ou d'une autre, ne les jugez pas par dénomination d'où il vient, par sa façon de s'habiller ou quoi que ce soit, mais jugez pas le but. Ce dont il essaie de faire, quel but il poursuit. S'il cherche à utiliser son influence pour forger un grand nom, à partir de ça, j'aurai assez de discernement de l'esprit pour savoir que c'est faux. Peu importe que ce soit un grand enseignant,
qu'il soit puissant, qu'il soit intellectuel, ou de quelle manière son don opère, s'il ne cherche pas à réaliser quelque chose pour l'intérêt du corps de Christ, votre propre discernement spirituel vous dirait que c'est faux. Peu importe combien c'est précis, parfait, ou comment cela est, c'est faux, si cela n'est pas utilisé pour le corps de Jésus-Christ. Réaliser quelque chose, il a peut-être un grand nom avec lequel il pourrait rassembler les gens, pas une grande puissance intellectuelle ou spirituelle avec laquelle il pourrait rassembler les gens. Et peut-être qu'il cherche à utiliser ses dons pour se rendre célèbre, afin de se forger un grand nom, pour que d'autres frères le prennent pour quelqu'un d'important. Alors c'est faux. Peut-être qu'il essaie de vivre quelque chose, de sorte que selon ce vœu, tout le monde disparaisse de la scène et que lui et son groupe puissent entièrement l'occuper. C'est toujours faux, voyez-vous? Mais s'il a un don de Dieu et qu'il essaie d'édifier le corps de Christ, alors c'est à quoi il appartient n'importe qui. Vous ne discernez pas l'homme, vous discernez l'esprit, la vie qui est dans l'homme. C'est ce que Dieu nous a dit de faire. Nous n'avons pas réussi une seule fois l'ordre de discerner le groupe de l'homme, mais il nous a été exigé et ordonné par Dieu de discerner l'esprit de ce qu'il essaye de faire. C'est vers quoi l'esprit qui est dans sa vie essaye de le conduire. Et alors, si nous voyons qu'il essaie de, pas de les diviser, mais de les rassembler et d'amener l'église du Dieu vivant, pas tous vers une seule dénomination, mais à une seule compréhension, une communion, une unité d'esprit, alors qu'il soit de la première ou de la pluie de l'arrière saison, ou quoi que ce soit d'autre, son esprit et son but sont justes, et l'esprit qui est en lui, peu importe le mouvement auquel il appartient, l'esprit qui est en lui essaie d'indiquer les gens au calvaire, loin de lui-même, ou loin de toute autre chose, mais le seul but qu'il a est de leur indiquer le calvaire, peu importe s'il est connu ou pas, peu importe même son propre mouvement, ce qui est bien, voyez-vous, c'est bien, qu'il soit méthodiste, peu importe quelle dénomination, mais qu'essaye-t-il de faire? Quel est le dessein de son cœur qu'il essaie de réaliser? Alors vous verrez ce qu'il y a quoi dans la vie de cet homme. Si ses motifs sont pour sa dénomination, si c'est pour lui-même, si c'est pour la renommée du monde, si c'est pour des grands noms, pour Dieu, je prédis ça, c'est arrivé exactement. Eh bien, vous voyez que c'est faux là même pour commencer. Mais s'il essaie d'utiliser ce que Dieu lui a donné comme docteur, comme prophète, comme voyant, pour l'honneur de Dieu, vous voyez, à ce moment-là, c'est juste. Vous voyez, mes chers frères, 19 finit en disant, si nous observons le motif, les objectifs des prophètes de l'Ancien Testament, c'était Christ. Le but, Christ, William Branham. Si nous travaillons pour William Branham, pourquoi j'irais diviser un groupe de William Branham dans un pays ou dans une ville, de loin ou de près? Parce qu'il faut seulement qu'ils aient ma doctrine. Si un groupe les croyants du message vivent dans un pays ou dans une ville, s'ils n'ont pas ma doctrine, je dois tout faire pour faire sortir quelqu'un dans une des églises là-bas et créer un mouvement qui doit avoir mon nom. Ça, c'est les démons religieux. Ça, ce sont des faux ministres. Ils ne travaillent pas pour l'unité. Ils travaillent pour avoir des groupes et des noms et des grands noms, des grandes renommées pour eux-mêmes. Il y a par exemple dans les exemples, il dit maintenant, les gars, même quand ils font leur campagne, leur affiche porte plus leur nom que le nom que le visage même de Jésus. Vous voyez? Donc ça veut dire que voilà un peu les. Pas en détail, parce que si je lis en détail, si je vais frapper 4 heures du temps, ma soeur. Donc là, je suis en train de me condenser. Alors, on prend la dernière question. Donc, on veut tout simplement dire, les faux sont là. Le vrai et le faux sont là, ils sont tous des adorateurs, les autres adorent Jésus, les autres sont adorateurs de Branham, ils ont des brochures, ils ont des ministères, les autres docteurs, apôtres, ici, apôtres, là-bas, tout ça. Mais comment on va les différencier? Doctrine, vie de la personne, sa doctrine, le but qu'il est en train de poursuivre. Voilà ce qui va vous faire juger quelqu'un, pas les ondits, pas les critiques, pas comment il était, pas comment il sera. Sa vie, sa doctrine, les écritures, comment il enseigne les gens. Il les amène où? Il les divise, il amène les gens à la légèreté, à la mondanité. Quand vous avez tous ces éléments, vous verrez, ça c'est un faux.
Il utilise le nom de Barnabas pour ses fins. Ça, c'est un vrai et ainsi de suite. Dernière question. Croyez-vous que Frère Joseph Branham est bel et bien un prophète déclaré par très élevé William Mahon Branham? Oui, oui, je le crois que Frère Joseph est le prophète, un grand prophète de Dieu, tel que William Branham l'a dit. Il n'a pas refusé que les Éphésiens 4 prêchent, mais il a dit qu'ils doivent jouer le band. Quand dites-vous? C'est ça, qu'est-ce que j'ai dit par rapport à l'ordre donné par Frère Joseph, selon lequel ordre que nous puissions jouer que le band. Je demanderai peut-être 5 minutes à la sœur de m'ajouter ce qui ferait carrément peut-être 1h03 ou 1h05 si c'est trop. Donc, supporter, parce que cette question, si je dois sauter certaines choses quand même, mais on donne le nécessaire. Il dit la brèche entre les 7 âges et les 7 sauts. J'ai écouté l'ordre de Frère Joseph, mais l'ordre là qu'il a donné, moi je l'ai toujours dit, concerne le deuxième exode, concerne le message dans le band et le brochier. C'est pourquoi il dit écoutez le band, jouez le band, vous êtes un ministre, jouez band. Mais le problème ici, c'est que le troisième exode, son message, ce n'est pas le message de band et de brochier. Par contre, le band et le brochier confirmera ce message. C'est ça le seul problème. Voilà pourquoi je n'exécute pas l'ordre de Frère Joseph littéralement en jouant la bande, mais je l'exécute spirituellement en plaçant William Branham non à la chair mais dans mon cœur. Et je le place à la chair en le prêchant. Lui, il dit de le placer à la chair en répétant le message du temps du soir ou de la fin, mais qui est déjà passé. Parce que c'est un message qui n'est plus à jour. Et je donne maintenant les écritures pour confirmer ça. 37, la brèche entre les âges et les sceaux. Voyez-vous, le mystère de ce livre, de cette chose, sera révélé lorsque l'ange du septième ange de l'Église proclamera son message. Le septième ange commence à sonner de la trompette. Voilà les messages ont été mis par écrit là, et nous les avons sous forme de bande et sous forme de brochure. Très bien. Il ajoute, 49, remarquez, les sceaux scellent le livre. Le livre est absolument scellé. L'Assemblée dit Amen. Le livre est scellé. Jusqu'à ce que le sceau soit brisé. Il est scellé de sept sceaux. Or, ça, c'est différent de sept tonnerres. Voyez, il s'agit des sceaux sur les livres qui sont au dos du livre. Les sceaux à l'intérieur du livre nous ont donné le bande et le brochure. Les sceaux derrière les livres ne sont même pas écrits. Il est l'âge de l'Éphèse 38. Il dit, et j'ai dit ceci, vous qui êtes catholique, luthérien, méthodiste, la lumière qui est sur la parole aujourd'hui n'avait pas été donnée à Martin Luther, elle n'avait pas non plus été donnée à Wesley. John Wesley a prêché la sanctification. Luther n'avait pas relevé, que Luther n'avait pas relevé. La lumière vient au fur et à mesure que nous en avons besoin. Dieu dit une chose, mais elle ne nous est pas ouverte, car elle est restée cachée en nous, jusqu'au jour où Dieu peut la révéler. Je me demande ce qu'il en sera après que nous serons partis. Oui, je suis persuadé qu'il y a encore un grand nombre de choses dont nous ne savons rien. C'est vrai, il y a sept choses qui sont apposées sur le dos du livre. Donc, les choses qui sont au dos du livre, c'est différent avec ça, dit William Branham. Joseph Branham me dit, le prophète, prends ça, joue à la chair. Et c'est un message du deuxième exode. Ce n'est pas le message du troisième exode. Le sceau à l'intérieur du livre, ce n'est pas ça le message du troisième exode. Mais ça introduit le troisième exode. Parce que le sceau à l'intérieur du livre révèle et finit la révélation du Seigneur Jésus-Christ, Hébreux 13:8. Cet âge de l'Église couvert par le sang de Jésus. Le message du troisième exode, c'est un autre message qui ne parle pas du sang. C'est le trône blanc. Et celui-là ne traite pas la personne ou la divinité de Jésus-Christ, qui est dans le banc de le brochure et que Frère Joseph prend. Celui-là traite la divinité révélée par les sept tonneurs. Laquelle divinité, c'est Dieu sous forme de l'épouse, à Nouvelle-Jérusalem. Et William Branham dit, il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, mais qui sont à connaître plus tard, car ça se trouve au dos du livre.
Prenez le sermon dans sa présence, paragraphe 3, versets 9-62, je crois, soit, paragraphe 2, au milieu du paragraphe. Le Seigneur voulant, je voudrais prendre la prochaine fois que nous aborderons les sceaux de l'Apocalypse, les sept sceaux ordinaires. Ça, c'est les sceaux ordinaires. Si nous terminons à temps, nous prendrons les sceaux au dos du livre. Cela pourrait prendre un peu de temps, vous voyez, les sept sceaux qui sont ouverts, il y a sept plaies, trompettes, etc. Mais ensuite, le dos du livre est scellé de sept sceaux. Daniel a entendu la voix. Il lui a été interdit d'écrire. On a interdit à Jean d'écrire. Mais cela a été scellé au dos du livre. C'est-à-dire après que tout le mystère du livre était dévoilé et révélé. Et quand c'est révélé et révélé, fait pendant une nuit dans les paragraphes français de la brèche, nous les avons sous forme de bandes et de brochures. Mais le son du dos du livre, il n'y a pas ça dedans. Remarquez que Daniel a parlé là des mystères au jour de ses voix. Ça, c'est le paragraphe 3. Le mystère de Dieu devait être dévoilé en ce temps-là, voyez-vous. Le mystère, à savoir qui est Dieu, comment il a été fait chair, toutes ces choses devraient être dévoilées en ce temps-là. Ainsi, nous sommes prêts pour les sceaux qui se trouvent au dos du livre. Cela n'est même pas révélé aux hommes. Cela n'est même pas écrit dans la Bible. Mais ils devront correspondre exactement au reste de la Bible. Et je pense que ça sera une chose glorieuse. Donc, il est écrit, il est aussi écrit. Frère Joseph est le prophète. Il dit, ramenez William Branham à la chair. Le Branham qu'on ramène à la chair, c'est un message. Et ce message-là ne parle pas du troisième exode, ne révèle pas les sceaux au dos du livre. C'est un message qui révèle les sceaux qui sont à l'intérieur du livre. Et moi, je suis appelé à parler des sceaux qui sont au dos du livre. Prenez, monsieur, c'est le signe du temps de la fin. 155. Il y a donc quelque chose décrit à l'intérieur du livre. Mais en dehors, au dos du livre, se trouvaient les sept sceaux qui n'étaient pas écrits dans les livres. Or, c'est Jean le révélateur qui parle. Maintenant, souvenez-vous, ce n'était pas écrit dans les livres. Mais à la voix du septième ange, tout le mystère écrit à l'intérieur s'accomplirait. Voilà ça. Mais pas ce qui se trouve au dos. C'est absolument ce que l'Apocalypse dit. C'est absolument ce que l'Apocalypse dit. Le voile de l'Apocalypse serait révélé. Lorsque le livre est fini, il ne reste qu'une chose, le mystérieuse voix des tonnerres qui était écrit au dos du livre, que Jean eut l'interdiction d'écrire. Laissez-moi le dire. J'ai vu un ange puissant qui descendait, tenant dans sa main un livre, tout ça, tout ça. Vous voyez, il rugit comme un lion, et le Saint-Honneur fit entendre, vous allez écrire, quelque chose fit dit. Ce n'était pas seulement un bruit, il y a quelque chose d'édit. J'ai entendu qu'il s'est une voix. Regardez où se trouve le tonnerre, non pas au ciel, mais sur la terre. J'allais écrire, j'ai entendu la voix qui disait, celle. Ce qu'on dit, le tonnerre ne l'écrit pas, c'est au dos. Quand un livre est terminé, or il n'a pas dit que c'est sur le devant, mais plutôt au dos. Après que tout est achevé, alors c'est ce tonnerre, ces voix sont la seule chose qui est attachée au livre, qui n'est pas révélée. Ce n'est même pas écrit dans les livres. Je vais jouer ce livre. Les gens n'écouteront jamais ce tonnerre. Donc je ne désobéis pas, frère Joseph. Mais il est écrit, il est aussi écrit. Il donne cet ordre pour le deuxième exode. Parce que même dans les prophéties qui font de lui un prophète, William Branham a dit, tu prendras ma place, tu continueras avec cet évangile du baptême du Saint-Esprit. Même évangile. Prenez le sermon, votre vie est l'une de l'évangile. Quand vous lisez là-bas, il est clair. Il dit, il sera là, Joseph à la chair, en train de dire, je suis là, mon papa est là-bas, et moi j'ai pris sa place, je continue le même évangile. Ah, c'est ça, c'est ça. Pas le nouveau message. Le nouveau message, c'est une autre chose. Prenez l'enlèvement, 58. Et là, Fabanam dit, et nous avons mélangé tous ces credos, tous ceux que vous mangez aujourd'hui, il ne faut pas les garder. Il dit, il n'y aura pas de pain sans levain. Il n'y aura pas de levain pendant les sept jours entiers. Et même ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de les garder pour demain. Brûlez-les avant l'aube, car un nouveau message vient et une nouvelle chose.
un nouveau message. Et tu ne le sais pas, 49. Je suis seulement en train de construire les reproches où vous allez voir quelque chose arriver. Il va arriver quelque chose. Et toute cette toile de fond ici n'a fait que poser les fondements d'un message court et rapide qui ébranlera toute la nation. Quand vous prenez les 7 liens de l'option et quel diable pour vie, il dit « Je me fais vieux », paragraphe 6, prêché le 28 novembre 65. « Est-ce qu'il y aura-t-il un autre réveil ? Verrai-je une autre époque ? Souvenez-vous, il viendra de l'ouest un cavalier sur un cheval blanc. Nous chevaucherons encore sur cette piste. C'est vrai, dès que nous serons prêts, c'est une promesse. » Et dans « Sur les ailes d'une colombe », 210, « Il retourna le troisième jour, je grimpais très haut. Beaucoup parmi vous connaissent la vision du chef indien chevauchant sur cette petite muraille vers l'ouest. Quelque chose m'a attiré vers un gros rocher vers midi et m'a dit, « Appuie tes mains contre cela et prie. Dieu au ciel sait que ceci est vrai. » J'ai appuyé mes mains contre le rocher, j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai commencé à prier. J'ai entendu une voix qui sortait du sommet du rocher disant, « Sur quoi es-tu en train d'appuyer ton cœur ?» Je me suis redressé comme ceci, les épaules torsnées, les épaules nues, le torsnées. Faisait chaud, j'ai regardé derrière moi et dans la pièce était écrit « Lève le plan ». C'est exactement ainsi, d'après ce que la vision avait dit, que viendrait le prochain message. William Branham croit qu'il y a un nouveau message, selon aussi la vision de l'attente. J'ai vu quelqu'un prêcher à ma place. Je viendrai prêcher en Afrique. Le même Branham qui dit, Joseph est prophète, Joseph tu seras, Joseph tu seras. Le même Branham dit, les autochtones d'Afrique jugeront les États-Unis. Le même Branham dit, on m'a vu dans, je me suis vu dans la vision, à Durban, en Afrique, j'aurai une autre réunion à Durban. Ce n'est pas pour jouer les bandes, celle-là. Le nouveau message ne veut pas dire jouer les bandes qui sont l'ancien message du temps du soir. Alors que nous sommes à l'aube du shalom, le huitième jour. Ne sont pas dans l'art de l'Odyssée. Le message d'Acte, c'est le message de l'art de l'Odyssée. Il est prêché à la fin de l'art de l'Odyssée pour faire sortir les gens, bien sûr. Mais il a confirmé Jésus-Christ. Mais le message de tonnerre qui définit qui est Dieu, sa nature, son être, William Branham, ça, c'est le testament. Et ça s'annonce quand le testateur est parti. Et si vous me dites, ne parlez pas de ce nouveau message, je répète l'ancien, nous allons bloquer toute une saison, toute une dispensation de l'épouse. Voilà pourquoi j'ai dit, il est écrit, il est aussi écrit. Je termine avec expérience 33, paragraphe 34. L'Église a failli. Première expérience 1 du 1947. L'Église a failli. Au lieu de rassembler les gens à un seul corps, elle les a séparés juste comme Moïse. Au lieu de parler au rocher, il a frappé. Et cela a failli. De même, l'Église ne fera pas traverser les Jourdains aux gens, c'est vrai. Mais maintenant, Dieu a changé de système et il envoie. Vous qui prenez note de ce que j'ai dit, il y a des grands hommes qui vont venir dans ce monde, c'est vrai. Il y a des grandes puissances en route vers ce monde et ça sera un peuple qui appellera un peuple à sortir. Rappelez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Est-ce vrai? Babylone, confusion. Il ne s'agit pas donc des gens, il ne s'agit pas de sortir de vos églises, mais de sortir de cette confusion qui est parmi vous. Sortez-en, servons Dieu d'un seul cœur. Et quand vous prenez ces mots avec le troisième exode, c'est la même chose. Troisième exode, c'est un nouveau exode. Sortez dans l'ancien, venez servir les dieux vivants d'un même cœur, d'une même pensée, d'un commun accord. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les hommes viendront, des grands hommes viendront pour faire sortir les gens, appeler le peuple dehors. Ils ne vont pas appeler le peuple hors le christianisme qui est devenu la confusion selon Israël et l'Église deuxième partie, paragraphe, je crois, 38 à 42. Il est bien dit que la confusion, c'est le christianisme. J'ai donné beaucoup des écritures, même le dimanche passé, pour montrer que dès que William Branham quitte sur la terre, c'est fini. Ce qui reste du christianisme, c'est du formalisme. C'est la confusion, c'est la dénomination. Et avec ça, nous, on ne peut pas répéter, faire jouer le band. Mais nous prêchons de nouveaux messages et nous les confirmons avec le band. Voilà un peu ce que je peux répondre. Prêcher le nouveau message,
mais de confirmer avec le ventre. Mais répéter intégralement et simplement le ventre, c'est un message qui n'est plus à jour. Parce que le message à jour d'aujourd'hui, c'est le teneur, le saut au dos du livre qui révèle qui est William Branham. Alors que dans le ventre, William Branham est révélé dans les types et les énigmes, c'est pas clair. Voilà pourquoi c'est pas écrit. C'est pas noir sur blanc. Je n'irai pas voir dans la bande que non, en répétant la bande. Si je répète intégralement la bande, je ne peux pas aller baptiser quelqu'un au nom de Branham. Parce que la pratique là n'est pas dedans. Je ne prierai pas au nom de Branham. La pratique là n'est pas dedans. Voilà pourquoi beaucoup de nos bien-aimés ont repris baptême au nom de Jésus. Ils prient au nom de Jésus parce qu'ils suivent le noir sur le blanc. Alors que le noir sur le blanc qu'ils suivent ici, c'est un ancien message qui n'est plus à jour. Il n'est plus à jour, il confirme le nouveau le message qui parle rien que de William Branham comme Dieu. Baptême et tout ça ensemble. Si vous voulez plus de détails, prenez nos enseignements sur le nouveau message de l'aigle blanc qui est en cours. Vu le temps qu'on nous a donné par notre sœur, Marie-Myriam, je m'arrête là. Je vous remercie, ma sœur, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ta chaîne, qu'elle se développe et qu'elle soit utile pour le croyant du troisième exode. Merci et grand shalom. Nous serons toujours disposés à répondre à votre invitation prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.